Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. Nous sommes en direct et bienvenue ici à Las Vegas pour ce premier show dédié aux nouvelles technologies. Vous savez que 01net TV va vous proposer une couverture exceptionnelle de ce grand rendez-vous dédié à la high-tech. Aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi, 1 heure chaque jour. Jérôme Colombin qui est juste là. Bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Bienvenue à Las Vegas cette année encore grâce à 01net TV. Bienvenue sur le stand de La Poste, tu l'as dit, au cœur du Sands Expo. Alors c'est l'un des trois sites consacrés au CES, le CES qui est de plus en plus grand et gigantesque d'année en année. Et autant vous dire que si vous avez ces petits appareils qui vous permettent de compter les pas, là on explose tous les records. Franchement chaque année, c'est bien, on peut manger et bouger comme on dit. Aujourd'hui, alors, particularité, à Las Vegas, vous ne le voyez pas sur ces images, mais dehors, il pleut. Oui. Et ça, c'est une info incroyable. Alors ça, c'est des images que JD a fait avant-hier, où il faisait beau. Mais et là, c'est vrai que c'est très rare. Il fait un temps, mais de chien, ici, au CES. D'ailleurs, ça pose des problèmes. Il y a un peu d'eau de partout. Oui, c'est oui. incroyable. Il y a même des inondations. Ah ben, l'hôtel où on se trouve, nous, il y a des torrents d'eau. Les taxis ne peuvent plus approcher. Autant vous dire que des inondations à Las Vegas, c'est quand même un truc un peu bizarre. Mais ça arrive très rarement, la pluie ici. N'oublions pas que nous sommes au milieu du désert. Bon, Jérôme, est-ce que tu as joué un petit peu aux machines à sous là? On en a vu quelques-unes. Non, pas encore. Moi, je suis sobre. Genre, bien sûr. On mélange pas le travail et le jeu, non pas vidéo, mais les paris et les machines à sous. Alors nous sommes sur le stand de La Poste, ça fait la troisième année que nous avons ce partenariat avec La Poste et on est très heureux, très fiers d'être ici avec un magnifique studio. Et donc ce CES de Las Vegas, ne cherchez pas, c'est vraiment sur 01net TV que vous allez pouvoir le vivre avec chaque jour une heure entière en direct. Regardez là, pour tout vous dire, il est 11h09 ici à Las Vegas et chez vous il est 20h09. On est en direct et donc tous les jours, une heure dédiée à tout ce qu'on va voir ici. Exactement, avec des images, bien entendu, de nos deux JRI et reporters de choc, Pierre Thiolin et Jean-David Duarte, qui sont aux manettes et qui sont derrière les caméras. Et puis des invités qui nous rejoindront en deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, François, de quoi allons-nous parler ? De plein de choses. Raphaël, il n'est pas là. Mais c'est David Noguera qui nous rejoindra tout à l'heure. Il va nous parler des nouveautés Sony. Il va aussi nous raconter sa petite histoire. Il a testé en fait une navette autonome. Bon, visiblement, il n'y a pas eu d'accident parce qu'il est là. Donc, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai testé une voiture autonome. Je vais vous en parler dans un instant. On va parler de French Tech aussi et plein d'autres choses. Bref, bienvenue sur 01net TV. C'est parti pour ce premier live depuis le CES de Las Vegas. Et pour débuter, donc, on va vous proposer chaque jour un JT du CES, parce que forcément, on voit plein de choses. Et avec Jérôme, on va vous faire notre petite sélection des petites tendances, des petites nouveautés. Alors, il y a des trucs sérieux, puis vous verrez des trucs un peu moins sérieux quand même. Puisque vous savez que le CES, en réalité, il ouvre officiellement aujourd'hui. Il a ouvert il y a à peine une heure, en fait. Mais précédemment, il y a quelques événements. Il y a le CES Unveiled avec tout un déballage de start-up, etc. Et puis il y a des annonces, notamment des annonces de grands constructeurs. Forcément. Et vous savez que le CES de Las Vegas, c'est vraiment le rendez-vous de la télévision. Chaque année, ils sont tous là, ils bombent leur torse et ils nous présentent leurs nouveautés en matière de télé. Ouais. Les Samsung, les Sony, les LG. Et évidemment, durant ces 4 jours, vous allez découvrir toutes ces nouveautés. Samsung a fait donc un événement dimanche pour montrer en avant-première ce qu'ils vont dévoiler ici. C'est Samsung qui ouvre le bal avec un téléviseur géant. Écran de télé, alors tenez-vous bien, de 146 pouces, ce qui nous fait du 3,70 m. Ouais, pour rentrer chez toi dans ta maison, ça va être un peu compliqué. Ça va être très compliqué, je ne sais pas comment ils vont faire pour les... Enfin, ils vont en vendre. Ils disent qu'ils vont en vendre peut-être 1, 2 ou 3 en France. Alors, il faut être très riche. 1, 2 ou 3. Il faut avoir un grand appartement et ça, un grand mur. Clair. D'ailleurs, ce téléviseur s'appelle The Wall. Il porte bien son nom. Et c'est un téléviseur qui a alors une particularité, c'est qu'en fait, il est composé de petites dalles. En fait, c'est des petits écrans qui, mis bout à bout, mais alors ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on ne voit pas la césure, on ne voit pas en fait la jonction entre chaque petit écran, font un énorme écran de 146 pouces. Et la nouveauté aussi, c'est que c'est du LED micro-émissif. C'est du micro-LED auto-émissif. Auto-émissif. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de rétroéclairage derrière le panneau LED, comme ça existe depuis très longtemps dans les écrans plats. Là, chaque pixel envoie sa lumière et on se rapproche avec cette technologie, avec par exemple l'OLED d'LG, qui est la technologie concurrente. Ouais. Voilà. Bon, il n'y a pas de prix pour l'instant pour ce téléviseur de 146 pouces. Vaut mieux pas d'ailleurs. Non, c'est l'une des annonces phares. À noter que LG a également dévoilé un super produit qu'on vous présentera demain.
c'est un écran de télévision souple. On ne vous en dit pas plus, mais c'est assez bluffant également. On aura l'un des dirigeants d'LG France qui sera avec nous sur ce plateau demain. Alors, sinon, autre actu pour ce premier 01 Live. Tiens, on a oublié de dire, François, qu'évidemment, comme nous sommes en direct, vous pouvez interagir. Oui. Vous pouvez nous poster vos petits commentaires. Alors, la connexion de notre côté, c'est pas ça, mais on va essayer quand même de vous suivre sur Twitter, hashtag 01 Live. Le VTC autonome, ça, c'est ton truc, Jérôme. Ouais, tu adores les véhicules c'est autonomes. C'est mon truc, le VTC autonome. Et tu as testé un VTC. Alors, vous savez qu'il y a, en France, chez nous, on a Uber, on a chauffeur privé, etc. Ouais. Aux États-Unis, il y a une société qui est concurrente à Uber, qui s'appelle Lyft, qui propose d'ailleurs des tarifs très agressifs. Et Lyft a fait une démo d'un VTC, en fait, sans chauffeur. Un VTC sans chauffeur. C'est dingue. Sur route ouverte. Alors, c'est encore très rare, hein, quand même. Donc, ils font ça pour la durée du CES. Vous avez 8 véhicules. Alors, sans chauffeur, oui et non, parce qu'il y a quand même quelqu'un à bord, au volant, pour... notamment les manœuvres... Pour te rassurer surtout. Alors pour te rassurer, pour des questions de sécurité, bien sûr. Et puis parce qu'on ne peut pas tout faire sans chauffeur. C'est-à-dire par exemple quand on rentre dans les cours des grands hôtels, ce sont des propriétés privées et la réglementation, même à Las Vegas où pourtant tout est permis, oblige à tenir le volant. Alors c'est un véhicule BMW, vous le voyez, et qui a été équipé par Aptiv. Aptiv, c'est un équipementier américain, c'est un petit peu l'un des Valeo américains. Oui. Hein, et ils ont une solution de véhicule autonome qui est assez évoluée puisqu'elle est très discrète. Vous voyez que ce véhicule ne se distingue quasiment pas d'un véhicule normal. Les lidars, les radars sont intégrés vraiment dans les pare-chocs. Ouais, on dirait une voiture normale, quoi. Il n'y a pas d'antenne. Enfin, exactement. Ça ne ressemble pas à un truc qui vient de Mars, quoi. Tout à fait. Et elle a une particularité supplémentaire aussi, c'est qu'elle est communicante avec l'infrastructure, c'est-à-dire qu'elle a un système de communication Wi-Fi haut débit qui lui permet de communiquer avec bien une quarantaine de carrefours, enfin de feux rouges en réalité, dans Las Vegas. Donc c'est vraiment les prémices de l'interaction entre la voiture et la Smart Cities, hein, et l'équipement routier. Bon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que tu as fait donc un petit parcours. Ouais. Ça marche? Bah, ça marche très bien. Alors, c'était pas ma première voiture autonome, non, François. Bien sûr que non. Hein, on est d'accord. Non, ça marche bien. Les accélérations, les freinages, parfois un petit peu durs. C'est impressionnant de la voir prendre des décisions. Lorsqu'elle décide de changer de fil, de tourner à droite, donc elle met le clignot. En plus, il y a un haut-parleur qui annonce ce qui va se passer. Donc ça, c'est pas mal. C'est quand même assez bluffant. On sent que vraiment, c'est en train d'arriver pour de bon maintenant. Mais alors, évidemment, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date, évidemment. On va rassurer tous les chauffeurs de VTC. Alors, c'est David, pas pour tout David de suite. David Noguera, qui n'est pas loin, nous en dira plus tout à l'heure. Hein, salut, David. Salut. Hey, David, qui se prépare à entrer en scène tout à l'heure, parce qu'il a plein de trucs à nous raconter, David. Oui, on sait bien que la voiture autonome, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça arrive comme ça, par petites touches, petit à petit. D'abord sur des sites propres. Là, ce n'est pas sur un site propre, c'est intéressant. C'est vraiment sur route ouverte, mais bon, sur des parcours qui ont été un petit peu repérés à l'avance, à ce qu'ils appellent du point à point. Donc petit à petit, ça commence à se mixer dans la vie réelle, on va dire. Voilà, on verra, tiens, si l'année prochaine, on aura encore plus d'expérimentation sans doute. Hein, ouais. Et puis tu vas nous parler de la tienne dans un instant. Il y a déjà des taxis autonomes aux États-Unis, enfin, pas beaucoup, mais il y a les Uber à Pittsburgh notamment. On enchaîne avec la VR. Ah, la VR. Ben, attendez, oui, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous êtes fidèle de nos rendez-vous du CES, l'année dernière, la VR, il y en avait à toutes les sauces. Ouais. On en parlait beaucoup. On disait que c'était révolutionnaire. Un peu comme les bracelets connectés l'année d'avant. Je ne sais pas si tu te souviens. Exactement. Et les bracelets connectés, on en parle un petit peu moins. Bon, il y en a toujours. Mais et là, encore une fois... Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Hein. Non, c'est vrai. Et là, pour la VR, c'est à peu près la même chose. On n'en a presque pas parlé. Où est passée la VR? Ben, en cherchant bien, au CES Unveiled, j'ai trouvé un peu de VR, Jérôme. C'est bien. Oui. Et des trucs assez innovants. Regarde ça. Si JD peut nous envoyer des images concernant la VR. Le tour de cou? Allez, on part avec le tour de cou. Petite start-up chinoise qui propose ce truc bizarre que tu poses donc sur ton cou. Et alors, de chaque côté, tu as des caméras. Tu en as derrière aussi. Oui. Et ça permet quoi? Ça permet de, sans tenir un appareil... de filmer en 360. En 360. Oui, mais alors, François Sorel. Oui, franchement, Jérôme Colombe. Franchement. Oui. C'est pas de la VR. C'est de la vidéo 360. C'est de la vidéo 360. Mais si tu mets, par exemple, un bon, masque c'est vrai qu'allez, de réalité virtuelle, tout dans le même panier, on met tout dedans. Non, mais par exemple, tu es, je sais pas moi, tu es ici. Moi, je suis à Paris. Oui. J'ai envie de voir un peu, tu te balades dans le centre. Tu mets ce truc-là. Ben, je verrai en 360. En fait, je pourrais tourner. C'est de la vidéo immersive à 360. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas de la réalité virtuelle. C'est pas de la réalité virtuelle. Bon, donc, c'est pas complètement idiot parce que c'est vrai que les caméras 360. Tu es obligé de tenir, donc tu as une main prise, tenir, etc. Voilà. Donc là, tu vis normalement et ça filme tout autour de toi. Bon, ça, c'était la première innovation concernant la vidéo 360. La deuxième, la voici. Jérôme, je vais t'acheter ça pour cet été. Ah, ce sont des lunettes
de Vidéo 360. Tu vas voir, tu vas être super beau à la plage cet été. En plus, tu vas voir, c'est très facile à porter. Ah hein. Oui, oui, c'est... Voilà. Donc, ces lunettes qui sont... Voilà, elles ne sont pas passe-partout, je vous l'accorde. Mais elles sont bourrées de technologie parce qu'elles ont des caméras partout qui vous permettent, là encore, de filmer en 360. Alors, imagine, tu mets tes lunettes. Oui. Et comme le tour de cou, finalement, tu vas partager toutes les vidéos que tu fais en 360. Oh. Simplement en portant ses lunettes. C'est horrible. Et alors bien sûr tu peux. Tu filmes tout ce qu'il y a autour de toi, même les gens qui ne veulent pas être filmés. Voilà. Tu rentres dans la salle de bain, tac. Enfin, si tu rentres dans la salle de bain avec ses lunettes, c'est que tu as un souci quand même. Hein. Ouais, enfin, je veux dire, enfin pourquoi pas. Et donc voilà, on peut dire qu'il n'y avait pas grand chose en matière de captation vidéo 360, etc. Mais malgré tout, il y avait ces petites startups qui présentaient ce genre de choses. Ouais, peut-être que c'est l'avenir, peut-être que demain on aura. Des lunettes comme ça ou des tours de cou pour filmer en 360. Bon, on n'a pas tout vu, hein, François. Non. Il y a encore plein de choses à voir sur le CES. Hein. Vous savez que le CES, il faut plusieurs jours pour le visiter. Oui. D'ailleurs, c'est impossible de tout visiter en 3 jours. Bien sûr. Donc, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, hein, y compris en VR. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Eh bien, on a les petits Français. On a la French Tech. La French Tech qui est présente cette année encore. Plus de 300 startups. Et alors là, ils en ont mis, mais partout. Et c'est vraiment... Écoute, c'est pas mal. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Regardez, ils ont grossi la signalétique, les logos. Et quand on arrive, ils sont juste en dessous de nous, hein, au rez-de-chaussée. Et quand on entre dans cet espace qui s'appelle l'Eureka Park, on ne voit que les Français, que la French Tech. Moi, je me demande si on ne va pas énerver les autres. Hein, les Chinois, les Israéliens, qui sont quand même assez costauds en high-tech aussi. Il ne faudrait pas qu'on les froisse non plus. Hein. Non, mais écoute, tu sais quoi ? Franchement, cocorico, ça fait plaisir. Il faut être fier de ça quand même. Hein. Et absolument. On a un petit pincement quand on voit cette présence française massive comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Après, bon, on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a qui est bullshit ? Qu'est-ce qu'il y a qui va vraiment révolutionner notre quotidien ? Ça, c'est une autre paire de manches. Bien on verra sûr. Dans 5-10 ans ce qui restera de toutes ces startups qui viennent ici. Mais malgré tout, voilà, ça prouve que... On est là, on est présent, on sait innover, on a des idées, on est créatif et ça c'est cool. D'ailleurs, tous les jours dans ce live, jusqu'à vendredi, on vous proposera une petite sélection de startups qu'on a trouvé sympathiques. Voilà. À noter que notre ministre du numérique est actuellement en train de visiter justement les startups de la French Tech. Monsieur Mounir Majoubi, voilà, qui, si tout va bien, sera en interview demain dans ce live sur 01net TV. Voilà, ça devrait le faire. Bon, donc c'est le JT du CES sur 01net TV. On va terminer par... Eh bien, on va essayer chaque jour de vous montrer des petits trucs un petit peu... Franchement, on se demande à quoi ça sert. Moi, j'appelle ça le produit What the Fuck. Oui, c'est exactement ça. C'est What the Fuck. Un peu un gros mot. Hashtag What the Fuck. Ou WTF, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Ouais. C'est un truc étonnant qui va peut-être révolutionner ton armoire, Jérôme. Ou ma vie. Et ta vie. Et pas que la mienne, d'ailleurs. La vôtre aussi, très certainement. Imaginez, vous avez votre machine à laver. Vous avez votre linge qui est froissé, voilà, qui est pas plié. Donc il y a la corvée du pliage. Hein. Cette machine va tout faire à votre place, les amis. Vous allez pouvoir glisser donc des t-shirts, des chemises en haut du système. Des serviettes éponges, des serviettes de bain. Des serviettes éponges. Serviettes éponges. En général, on n'en porte rarement sur nous. Mais donc il faut les plier, c'est plus propre. Vrai, hein, ça dépend, chacun vit comme il veut, mais bon. Exactement. Et donc là, cette machine qui n'est pas très belle, on est d'accord, va vous permettre, elle aspire en fait tout le linge que vous mettez. Pendant ce temps-là, avec ses petits bras musclés, elle le repasse et elle le plie. Alors, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne le voit pas parce que c'est caché derrière le panneau. Là. Regardez bien. Voilà, donc là, vous mettez une chemise. Non, ce n'est pas une chemise, c'est une... C'est une serviette. C'est une serviette. Voilà, j'avais raison. Voilà. Elle est aspirée. Elle est aspirée. Comme ça. Et il y a des espèces de... Bah oui, il y a des bras à l'intérieur qui soulèvent les coins et qui ont des processus, des algorithmes de pliage et qui te plient le truc. Alors, attention. 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 Parce vous en voulez une. Vous en voulez une. Elle était déjà là l'an dernier. Ouais. Hein, et vous n'êtes pas prêt de la trouver dans le commerce parce que c'est du flan. Mais comment ça ? C'est complètement bidon. C'est du fake. C'est une fake news. C'est une fake news. C'est pas vrai. Mais alors pourquoi ils sont là ? Eh bien parce qu'ils ont le concept, ils ont l'idée, ils disent qu'ils ont la techno, ils disent qu'ils vont la développer, que ça sortira un jour. Mais ce que vous voyez là ne fonctionne pas. Mais alors quand on voit là en bas le linge qui est plié et repassé. Eh bien c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais non, si tu regardes bien, ce n'est pas raccord. Il va falloir mettre un fake news en place sur le CES. Alors, fake news. Et c'est super intéressant parce que c'est un peu ça notre boulot et la difficulté de notre boulot ici. Il faut détecter les innovations intéressantes et il ne faut pas se faire rouler dans la farine. Il faut passer entre les gouttes du bullshit et parfois il y en a.
Effectivement, bon, ça en fait partir, mais ça nous a fait un petit peu rigoler. On voulait vous présenter ça. Voilà, après, ils peuvent toujours dire que oui, ils ont le projet et qu'ils travaillent dessus, qu'ils le sortiront un jour. Il y a des boîtes très sérieuses comme Panasonic qui bossent sur ce style de système d'armoire. J'avais vu une start-up chinoise aussi. Ouais. Visiblement, ça a l'air compliqué à mettre en œuvre. Oui, c'est super difficile. Enfin, plier un vêtement. Exactement. Mais, c'est vrai. À mon avis, bon, enfin, pour ce type de machine, vous l'avez compris, on repassera. Ouais. On repassera. C'était on repassera. Petit jeu de mots pour la fin. Pas mal. L'humour n'est pas resté à Paris. C'est pas grave. L'humour n'est pas resté à Paris. C'est le décalage horaire, les amis. Il est venu avec. Merci d'être avec nous. Nous sommes en live depuis Las Vegas, ici sur le stand de la Poste. Et on enchaîne tout de suite, Jérôme, avec David Noguera qui est là. David Noguera qui va nous parler de plein de choses. C'est parti. On y va ? Non, pas de jingle ? Allez. Bon, pas de comme jingle, quoi, voyez, vous, peut-être que vous doutiez qu'on était enregistré. Eh bien non, nous sommes en direct. Jingle, là, ces petits moments gênants, comme on dit, eh bien on les assume, les amis. Et on est ravis de les assumer. David Noga, rebonjour. Rebonjour et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Oui, bonjour, bonsoir, on ne sait pas trop. Pour ceux qui sont en France, pour les autres. Rappelons qu'il y a 9 heures de décalage entre Las Vegas et Paris et qu'on dort à peu près 3h30 par nuit. Mais c'est pas mal ce décalage, c'est plutôt en votre faveur. Vous êtes tranquillement chez vous, tout ça. Vous pouvez regarder 01 Live sur 01net TV. Alors, avec quoi on commence alors ? Sony, allez, on a parlé des nouveautés Samsung tout à l'heure. On reparlera de Samsung vendredi parce qu'on aura l'un des responsables de Samsung France qui viendra nous présenter en fait toutes les nouveautés Samsung. Ouais. Mais la Sony, Sony, effectivement, c'était l'une des conférences hier soir, très très rythmée parce que beaucoup d'annonces. Ils ont annoncé quelque chose comme 8 ou 9 produits. Et forcément, il y avait de la télé avec le successeur du Bravia A1. C'était ce téléviseur qui continue d'exister. Hein. On a eu des choses, les gens disaient A8F, c'est son nom, va remplacer le A1. Pas du tout. Le A1 va continuer d'exister. C'était ce téléviseur avec le pied et ce système acoustique surface. Ah oui. Le son qui fait, qui est retransmis par téléviseur cette dalle OLED d'ailleurs. Donc téléviseur OLED avec une dalle LG à l'intérieur et du traitement logiciel par processeur Sony X1 Xtreme. Et bien là, la plateforme technique, on va le retrouver dans ce A8F qui va être décliné en 55 et 65 pouces. Forcément, vous allez me demander les prix, je vais vous dire que je ne les ai pas encore, parce que ça sera aux alentours de mars-avril, donc ici on ne nous donne pas encore de prix. Mes premières impressions sont plutôt bonnes, on a quand même une belle qualité OLED, et la particularité de ce système, c'est que dans ce A8F, l'acoustique surface qui était dans le pied est finalement cette fois-ci réduit au maximum ou à son minimum, puisque maintenant le système est juste intégré derrière l'écran, ce sera plus simple pour le mettre sur un meuble, puis ce sera plus simple aussi pour l'accrocher. Donc un premier produit vraiment très intéressant qui en plus reste très compact sur les côtés, avec toujours ce processeur d'upscaling qui fait sa force sur ce téléviseur OLED. David, il y a aussi de l'upscaling chez Samsung, on l'a pas dit, mais un truc assez impressionnant. Vous mettez de l'Ultra HD ou du DVD, et vous le sort en 8K. Et du Full HD. En fait, ils ont cette techno de cette IA qui apprend de toute l'image et qui reconstruit comme ça. On en parlera. Il faudra qu'on les avec le VHS après. Non, mais on en parlera après demain parce que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne ce système. Si c'est vraiment efficace. C'est assez trapu, mais... Tu te rappelles que pour notre émission spéciale Noël, on parlait tous de nos cadeaux de rêve. Exactement. Et là, tu as enfin trouvé... Mon cadeau de rêve. Mon cadeau à moi de rêve. Alors, ce fameux projecteur vidéo. J'en prends un coup de cœur. À courte focale, comme on dit. Tout à fait. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur de CES. Ouais. Sa référence, elle est facile à retenir. LSPX-A1. Voilà, donc LSPX-A1. Ils ont fait des efforts chez Sony. Et alors, ce type de produit, c'est des choses qu'on avait vues il y a quelques années au moment de l'ISE. L'ISE, c'est le salon professionnel de l'image à Amsterdam. Là, on n'est pas chez IKEA. Hein. C'est pas une table de basse. Non, on n'est pas chez IKEA. Là, on est très clairement bien au-dessus. Allez, encore une fois, on va se parler de prix. Cette fois-ci, la dispo en France, on va botter en touche. Par contre, aux US, c'est 25 000 $ annoncé. Vidéoprojecteur 4K ultra courte focale. Image de 120 pouces à 15 cm du mur. Donc et on peut partager l'écran en plus. C'est environ 3 mètres. Hein, et là, après, effectivement, il y a tout plein de subtilités logicielles. Mais surtout, là, c'est la qualité de fabrication. C'est-à-dire qu'ils ont cette plaque blanche sur le dessus qui est, alors on ne voit pas très bien l'image, mais qui est une imitation simili marbre. Et on a dans les pieds, les pieds qu'on voit en fait qui maintiennent le produit, c'est un système de tubes de verre. Il y a les haut-parleurs qui sont placés à la base. Ah, c'est génial. C'est une techno que Sony avait déjà, qui diffuse le son de manière verticale et qui, en fait, par résonance, vibre. Et ensuite, diffuse le son dans la pièce. Donc, ils nous promettent un son à 360 degrés. En plus, dans la façade du meuble, il y a deux voies médium, une autre à l'arrière et un caisson de basse en dessous, sous la planche de bois. Ah ouais. Grosso modo, c'est un meuble hi-fi
et vidéo. Et vidéo. Qui est incroyable. Est-ce qu'on peut quand même poser un petit napperon et un petit pot de fleurs? François aime beaucoup ça. Moi j'adore les napperons. Là je pense que c'est un peu kitsch, mais je pense que ce serait gâché. Non, mais est-ce que ça gênerait la... Non, je non parce que qu'en fait, l'image n'est projetée qu'à, oui, que depuis sur une petite zone. Une petite zone, voilà. Le bloc optique est lui au centre de l'appareil. Donc... Super produit, super produit. Ouais. Super prix aussi. Et non petite révolution dans les salons, ça. Ça, je pense vraiment que ça peut trouver son public parce que en plus, vraiment. Il est beau. Mais dans quelques années, Mais ce qui est important, c'est que c'est un premier pas. Exactement. On est d'accord, ça fait rêver tout le monde, hein, ça, on est d'accord. Hein. Un truc peut-être plus LG abordable. Aussi, LG a dévoilé, on n'a pas les images, mais j'aime bien, je fais du teasing tout comme ça. Fait. LG a dévoilé un vidéoprojecteur courte focale, on en parlera demain, je pense. Ça aussi, il y a des choses sympas aussi. Tout à fait. Le casque, on sait que Sony avait le True Wireless, casque 100% sans fil, ce qui est sans fil avec le smartphone et les écouteurs sont entre sans fil aussi. Et là, ils ont annoncé un... Encore une fois, une référence facile à retenir, WF-SP700N. David Nogueira et ses références. Heureusement que les petites notes sont là. Ce casque, en fait, True Wireless, il a une vraie particularité, parce qu'on en a vu pas mal. Celui-ci, eh bien, il est étanche, puisque c'est un modèle sport, donc IPX4, alors étanche, résistant aux éclaboussures en l'occurrence, et plus particulièrement à la transpiration, puisque c'est un modèle de sport. Et il est à réduction de bruit. Donc ils ont réussi, dans un petit produit comme ça, à faire un combo entre l'étanchéité, la réduction de bruit, un système audio. Alors je sors d'un petit brief technique où on a pu l'écouter, mais alors malheureusement très rapidement, parce que c'était un peu mené au pas de course, le noise cancelling, enfin le système de réduction de bruit, il va falloir l'éprouver un petit peu plus longtemps, parce que pour l'instant je ne l'ai pas trouvé complètement dingue. Donc petite à voir, réserve. Petite réserve de ce côté-là, petite réserve aussi du côté de l'autonomie, parce que forcément plus on multiplie les technos et ces systèmes actifs, plus l'autonomie baisse. Bien sûr. Et en l'occurrence, on est sur 3 heures d'écoute annoncée. 9 heures puisqu'il y a 2 recharges dans la petite coque qui est livrée avec, mais c'est pratique parce qu'en plus la coque ça perd au smartphone via NFC, les deux écouteurs ensuite sont connectés, donc voilà, donc c'est quelque chose de pratique. Voilà. Et là par contre j'ai un prix, 200€, dispo aux alentours du mois de juin. Très bien. Vous savez que David a deux passions dans la vie, les oreillettes sans fil, les projecteurs à courte focale et les voitures connectées. Et là, maintenant, tu vas nous parler d'un rétroviseur connecté. Tout à fait. Rétroviseur connecté que j'ai vu sur la société Gentex. Et alors, on va commencer par un premier modèle qui est le rétroviseur avec l'intégration d'une image. Bon, ça, c'est le modèle basique, mais c'était intéressant de le voir parce que dans ce rétro, moi j'ai été assez bluffé par la qualité de l'image. Alors, on dirait un iPhone 10. Je les ai un petit peu challengés parce que je leur ai dit, là j'ai l'impression que ça fait un peu trop incrustation. Et maintenant on va considérer la qualité d'image des rétroviseurs. Oui, mais c'est intéressant. Une voiture, combien de pixels le rétroviseur là? C'était intéressant de rencontrer Gentex, bon, qui est pareil, un équipementier comme Valeo par exemple, mais qui est basé dans le Michigan. Il y a un gars qui bosse à Lyon et qui m'a promis de venir me voir avec son modèle dans sa voiture parce que pour l'instant j'ai été bluffé par la qualité de cette rétrovision. Mais alors quel intérêt? Alors l'intérêt c'est de pouvoir splitter l'image entre le rétroviseur extérieur mais aussi les caméras de recul, les avoir à ce niveau-là complètement intégré. Et on le sait, dans le form factor des voitures qui sont de plus en plus aérodynamiques, il y a des lunettes à l'arrière qui sont de plus en plus petites. Dès qu'on a des grands gabarits à l'arrière, on ne voit plus rien. Donc ce rétroviseur, complètement ça numérique. Élargit complètement le champ de vision. Donc, exactement. À l'arrière. Il y a des traitements pour éviter tout l'effet de scintillement, des feux à l'arrière. Et l'image est vraiment étonnante. Si c'est pas tu peux te regarder un film ou pas? Pour le coup, vraiment, si c'est pas du fake, c'est bluffant. On peut imaginer aussi de la vision nocturne. Mais tout à fait. Eux proposent une plateforme matérielle. Alors, c'est des constructeurs qui vont intégrer. C'est des constructeurs qui vont intégrer des choses. Alors, ça sera cadré par une loi. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, aujourd'hui, on devrait avoir l'annonce du premier constructeur, a priori français, qui utiliserait cette techno. Le deuxième, un truc encore plus impressionnant, parce que là, c'est un concept, c'est un rétroviseur cette fois-ci qui utilise de la reconnaissance d'iris. Et là, eh bien, on peut tout imaginer, puisqu'à partir du moment où on s'identifie dans ce système qui intègre des caméras et un système infrarouge, eh bien, le conducteur est complètement identifié et donc l'habitacle peut être personnalisé. Réglage des sièges, préconditionnement de l'habitacle, climatisation, contenu multimédia, etc. Ah oui. Et surtout, eh bien, si jamais on se fait voler sa voiture, accessoirement, ça peut prendre une photo du conducteur, ça peut faire office d'antidémarrage, etc. Et on peut tout imaginer, y compris si jamais on sait que par le phénomène de dilatation de la pupille, on peut détecter certaines choses, et ben là, ça pourrait servir à ça. Voilà. Ok. Alors, donc, ça, c'est pour les deux rétros. Ça, c'est pour les deux rétros. On enchaîne avec
ton troisième coup de cœur. On rappelle que tu seras là tous les jours hein, pour nous présenter tes coups de cœur. Le troisième, c'est une navette autonome. Exactement, Navia, société française qui avait déjà présenté le Navia Cab Shuttle, qui était ce minibus. Et là, ils sont là avec l'autonome shuttle, pardon. Et là, ils sont sur Las Vegas avec l'autonome cab. On a fait une petite balade du côté de Fremont et la 6e. Et effectivement, ce véhicule, niveau 5, puisque pas de pédale et pas de volant. Donc 6 sièges qui se font face. Et cette fois-ci, on n'est pas, Jérôme, dans la qualité de l'intégration du véhicule lift qu'on avait. Là, on voit toujours ces capteurs, ces lidars. Oui. Donc une dizaine de lidars, des caméras un peu partout. Et on a pu circuler. Alors j'ai trouvé, effectivement, c'est intéressant parce que le véhicule, il est connecté à l'infrastructure, il lit la route, il détecte les piétons. Il y a encore un petit peu de fine-tuning, d'optimisation à faire. Alors c'est vrai qu'on était parmi les premiers à l'essayer. Il y avait encore quelques petites saccades, mais vraiment, on sent que les acteurs sont là pour pousser cette voiture autonome parce qu'ils en ont l'opportunité aux États-Unis. Et surtout, on voit qu'il y a une adoption du grand public, plus trop de réticence. Ouais. Et l'autonome shuttle dont je parlais, eh bien justement, lui, il est là aux États-Unis, enfin à Vegas pendant un an. Et moi, j'ai vu pas mal de monde monter à l'intérieur, faire cette petite balade et en ressortir finalement mais assez rapidement. C'est le véhicule qui roulera à Paris, en principe, dans le courant de l'année. Tout à fait, il va revenir à Paris sur et il roulera. Un trajet très spécifique. Exactement, un peu comme la RATP sa navette. On sera sur quelque chose d'un trajet bien bordé pour nous faire découvrir aussi le véhicule autonome en France. Bon. Merci David. Merci à vous. Beaucoup David Noguera. Voilà les coups de cœur de ce jour 1 de David Noguera ici au CES de Las Vegas. Ouais, vous le savez, vous pouvez réagir, vous envoyez vos petits messages sur Twitter, hashtag 01live. Alors d'ailleurs, on salue Yoni qui a remarqué ta blague, François. Non, c'est Romain qui dit que... Ouais, elle était bien ou pas, ça leur a non, plu. Romain, il dit, vous êtes tellement beau gosse, je pense qu'il doit regarder un autre programme, oui, à mon avis. Oui, c'est ça, il doit être sur une autre chaîne. Enfin bon, tout c'est pas grave. Bon, continuez à nous envoyer vos messages. Parfait. Alors vous savez quoi, on va revenir tout de suite et on va maintenant s'intéresser à la French Tech. Et nous allons justement nous intéresser à ce que propose ici Engie. À tout de suite. On fait le vélo après. Voilà, c'est la suite de ce 01 Live en direct du CES de Las Vegas, premier jour. Oui, vous savez qu'il y a toute une logistique derrière, les invités s'en vont, les autres arrivent, ouais. C'est ça qui est formidable. Je vous rappelle que nous sommes en direct, le hashtag 01 Live sur Twitter, vous pouvez aussi nous laisser vos petits messages, on est connectés sur YouTube, vous êtes très nombreux à nous laisser des petits messages. Continuez, Jérôme, alors bien sûr, il y a les startups, mais il y a aussi les grands groupes qui sont présents ici, on le voit, on est sur le stand de La Poste, on découvrira les nouveautés de La Poste d'ailleurs demain et dans un instant aussi avec un vélo connecté. Et les deux sont liés. Mais il y a aussi un géant de l'énergie qui est là. Oui, c'est Engie, avec Stéphane Quéré qui représente Engie. Bonjour Stéphane, merci de passer nous voir. Et superbe t-shirt, je suis un peu jaloux Stéphane Quéré quand même. On les vend. Vous les vendez ? Oui, oui. Non, on va vous les donner. Ah. C'est ce que j'espérais quand même. Stéphane Quéré, c'est la troisième année, je crois. Oui, absolument. Ici, pour Engie, au CES de Las Vegas. En quelques mots, rappelons l'intérêt pour, je disais, les géants de l'énergie, l'un des géants de l'énergie, oui, être présent ici. Vous vivez votre transformation numérique, comme toutes ces grandes sociétés. Absolument. Et ça passe par le CES de Las Vegas, forcément. Oui, alors on appelle notre transformation les 3D, décentralisation des systèmes d'énergie, digitalisation et décarbonation. Le CES cette année, c'est le témoin de cette transformation, puisque nous avons à la fois des innovations maison, oui, pour des économies d'énergie, plus d'efficacité énergétique. C'est incroyable aussi tout ce qui se passe dans ce domaine. Énormément de choses. Ouais, des choses qu'on n'imagine pas. Absolument, en tant que ce soit lié aux objets connectés, à la réalité augmentée qui permet de savoir à distance comment fonctionne une infrastructure ou la performance d'un bâtiment. Donc on a beaucoup d'innovations maison, mais on a surtout beaucoup d'innovations de start-up, que ce soit des startups avec lesquelles nous travaillons, mmh, ou que ce soit des startups qui nous ont été amenées par nos partenaires, puisque aujourd'hui, au CES, nous venons avec, je ne dirais pas notre écosystème, mais l'écosystème dont nous faisons partie, donc avec des incubateurs comme l'incubateur de l'IX, deux incubateurs hollandais, mais aussi d'autres corporates qui sont nos partenaires, mmh, ou nos clients ou nos fournisseurs. Et cette année, nous sommes là avec Michelin et AXA. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous vendez l'énergie, mais votre métier est en train de se transformer. Et aujourd'hui, vous investissez pour économiser de l'énergie. Absolument. Alors, mais c'est un peu...
Schizo, non, ça. Vous tirez une balle dans le pied ou... Pas du tout. D'ailleurs, c'est pas nouveau, ça, pour le, en l'occurrence, par rapport, je dirais, à la transformation des métiers de l'énergie, on avait une petite longueur d'avance parce qu'on était déjà très fort dans tout ce qui était service énergétique et efficacité énergétique. Donc avec le digital, avec, je dirais, la prise de conscience de plus en plus de nos clients, bah ça ne fait que se développer. Alors évidemment, il faut innover, il faut trouver toujours plus de choses, mais c'est un vrai business, en fait, les économies d'énergie. On va jusqu'à avoir des contrats de performance énergétique où on s'engage, alors on fournit l'énergie, mais on s'engage sur une performance en matière de consommation d'énergie ou de, je dirais, de volume de CO2 dans l'énergie qui est consommée. Et alors là, on a un champ énorme, puisque non seulement il faut s'équiper, mais aussi il faut travailler avec les occupants, on va travailler sur les comportements. Et donc, on a une espèce de consensus et de mouvement ensemble pour plus d'économie d'énergie. Un exemple d'innovation qui vous permet aujourd'hui de faire ça, de mieux maîtriser à la fois la consommation et puis les émissions de CO2? Écoutez, on en a beaucoup. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Vertuose, qui est un système, enfin tout un écosystème d'ailleurs en soi, qui permet d'économiser l'énergie. Sur un aspect plus soft, on a par exemple, on expose une solution qui s'appelle PowerZ, qui est un serious game qui permet aux occupants d'un lieu, on l'a testé sur un campus à Singapour. De s'engager de façon ludique dans les économies d'énergie pour que, justement, comme je le disais, tous ensemble, on s'investisse. Donc, on a des solutions comme celle-là. On a des solutions plus techniques avec WeSix Labs, qui est une start-up qui travaille sur tout ce qui est IoT, transmission des données, etc., pour favoriser tout ça. Et puis, on expose aussi, par exemple, tout un système de BIM, comme on dit, donc qui permet de à la fois de virtualiser comment c'est fonctionne. Quoi, BIM? C'est Building Innovation Model. C'est mieux. C'est mieux quand même en anglais. C'est tellement mieux. Et voilà. Et donc ça permet de savoir en temps réel comment fonctionne un bâtiment, d'avoir les informations à distance, d'intervenir, tout ça pour garantir le meilleur fonctionnement, la meilleure efficacité en fait. Ce qui est intéressant, c'est l'efficacité. Alors elle est énergétique, mais c'est l'efficacité. Et puis ce qui est génial, c'est que alors on se dit bon voilà, ça ne nous concerne pas, mais. Alors vous développez des solutions pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Et demain, l'idée, c'est de consommer moins, d'avoir plus de confort à la maison et de ne pas s'en rendre compte. C'est ça qui est génial. Absolument. C'est-à-dire qu'avec les capteurs, etc., on pourra faire des économies sans avoir à appuyer sur des boutons, sans avoir à parler à un système, absolument, etc. Oui. Voilà, on est un peu les champions déjà des infrastructures invisibles, en fait, où tout doit fonctionner naturellement. Oui. Donc tout devait fonctionner naturellement pour qu'on ait de l'énergie, et maintenant tout doit fonctionner naturellement pour qu'on la consomme ou qu'on la produise le mieux possible. Alors, vous êtes venu avec Olivier Grelle, qui représente la société Vertuose. Vous en parliez il y a un instant, mais voilà, c'est l'un de vos protégés. L'un de vos protégés, c'est ça. L'une des pépites du groupe Engie. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Vertuose avec un Z à la fin. Ouais, et un E au milieu, Vertuose. Vertueux. V-E-R-T-U-E-T-U-O-Z. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, expliquez-nous. Vertuose, c'est à la fois une plateforme pour le bâtiment intelligent et en même temps un spin-off d'Engie qui rend facile l'utilisation des données pour plein de cas d'application. Donc l'année dernière, on montrait sur le CES, on était présent pour la première fois, des capteurs pour notamment gérer l'équilibre confort-performance énergétique dans les écoles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les écoles de la ville de Paris sont équipées de 15 000 objets connectés où on peut réguler à distance les radiateurs, les vieux radiateurs des écoles, etc. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent plus tourner les radiateurs comme ça Voilà, et surtout, il n'y a plus besoin d'ouvrir la fenêtre quand il fait trop chaud, on peut réguler individuellement. D'accord. En fonction de la porte de chaleur, et c'est etc. vous qui vous occupez de ça. Et donc, nous, historiquement, on était sur le tableau de bord énergétique. Donc, une application digitale, on faisait du tableau de bord énergétique. Parce que c'est l'ADN d'Engie. Mais on va beaucoup plus loin que l'énergie, en fait. Le bâtiment intelligent, nous, notre croyance, c'est qu'il doit être interopérable, désiloté, etc. Et donc, le même capteur, il peut avoir plein d'usages. Capteur de présence, on peut s'en servir pour savoir s'il faut chauffer ou pas, mais on peut s'en servir pour, dans des espaces de bureau, savoir s'il y a du monde, réserver les salles, etc.
Et par exemple, on lance cette année une nouvelle application qui s'appelle Vertio Zen Office pour à la fois être géoguidé dans les bâtiments, donc trouver son chemin, trouver son bureau, quoi, parce que de plus en plus, on partage des bureaux, réserver sa salle de réunion, etc. Donc des tas de nouveaux cas d'usage et c'est le même capteur. Parce que c'est important d'arriver à mutualiser tout ça et rendre ça surtout simple pour les gens. Parce qu'on voit au CES énormément de capteurs et la question qu'on doit toujours se poser, c'est à quoi ça sert et comment ça peut être utilisé simplement. Alors c'est vrai qu'on est, nous on s'adresse au grand public et vous votre service c'est du B2B2C en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent bah tiens grâce à Vertuose et grâce à Engie. Mais c'est vrai qu'on le vit tous les jours dans les bureaux, dans les espaces de travail collectifs. Il fait toujours soit trop froid, soit trop chaud. Hein. Ouais. Oui, et les espaces deviennent de plus en plus modulables. Donc nous, on s'adresse, on parle toujours de B2B2C, parce qu'en fait, on vend à des bailleurs sociaux, on vend à des collectivités, oui. On vend à des grandes entreprises. Mais c'est nous qui en profitons. Mais à la fin, l'intérêt, le digital, c'est toujours la personnalisation, la relation, etc. Et donc on sert l'individu, que ce soit dans son logement, d'habitat collectif, que ce soit au bureau, etc. Et donc, les applications, elles doivent pouvoir permettre d'avoir une relation personnalisée à son environnement. C'est ça que ça apporte, le bâtiment intelligent. Zen Office, je réserve tout seul, je trouve mon chemin, ça me facilite la réservation d'un parking, ça me facilite combien de gens arrivent au bureau en retard dans une réunion parce que pour le contrôle d'accès, ça n'avait pas été prévu, je suis visiteur, etc. Ben là, tout est programmé, ça devient fluide. Et il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est l'imagination. Et c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de partenaires start-up. Nous, on est nous-mêmes un spin-off d'Engie, mais on travaille avec des tas de partenaires au sein de quelque chose qu'on appelle le cercle Vertuose. C'est-à-dire qu'on a ici, mais on n'est pas venu avec tout le monde, l'écosystème de partenaires pour chaque innovation focusée sur un point précis. On a parlé de PowerZ, par exemple on a déployé ça à la CTU à Paris, on déploie ça à Bordeaux et pour faire jouer les gens et les sensibiliser, créer des défis, etc. D'accord, très bien, et bien voilà, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aller sur le site d'Engie où on explique ce qu'est Vertuose bien sûr. Et Stéphane, on vous souhaite un bon salon. Oui, merci. Et puis on précise qu'il y a encore, vous le disiez, de très nombreuses autres innovations. Oui, des on a 27 innovations qui sont présentées au CES. Voilà. Tout inédite. D'en reparler. Et on en découvrira quelques-unes durant les jours qui viennent ici même. Merci à tous les deux. Merci à vous. On parlait de chauffage dans un instant, Jérôme. Et on va continuer à parler de chauffage avec une autre innovation super intéressante qui nous vient également d'une start-up française. C'est tout de suite. Regardez, je vais repartir avec ça. Ça, dans ma franchement, valise. C'est la classe. Vous savez quoi ? Il y a la Légion d'honneur qui fait rêver Jérôme. Et moi, je rêve d'avoir ça sur ma cheminée. C'est un trophée, les amis. Mais c'est pas toi qui l'as. Non, c'est pas moi. C'est Raphaël Meyer. Bonjour Raphaël. Bonjour. Non, je n'allais pas vous le piquer, rassurez-vous. Mais il est beau, hein ? Merci beaucoup. Oui, on en est très fiers. Mais alors, vous savez que c'est hyper important, ça. Hein, parce que ça veut dire que le CES de Las Vegas, l'organisation du CES, les professionnels de l'innovation, eh bien, récompense justement des nouveautés qui sont présentes ici. Tout à fait. Et tous les ans, il y a énormément de ces awards, Innovation Awards, qui sont raflés, notamment par des innovateurs français. Donc, bravo. Fait. Alors, vous, eh bien, on vous connaît un petit peu déjà, puisqu'on a déjà parlé de vous sur 01net TV. Vous avez donc mis au point ce radiateur un peu particulier qui est bourré d'intelligence et qui est notamment équipé d'une batterie. Hein. D'une batterie, oui, tout à fait. On a un gros besoin d'alternatives pour les solutions de chauffage, puisqu'on a un logement qui doit devenir plus performant, plus efficace et potentiellement couvrir une partie de ses besoins en énergie directement par du renouvelable. Et le photovoltaïque, le solaire photovoltaïque est une très bonne technologie pour ça, il s'intègre facilement, il coûte pas trop cher et il vit très longtemps. Par contre, photovoltaïque égale pas de production la nuit et une production qu'en journée. La nuit, donc pas de soleil, donc pas d'électricité. Exactement. L'idée de Lancet, c'est de pouvoir, grâce à la batterie, stocker le surplus produit donc directement sur le bâtiment, grâce aux batteries du radiateur, et radiateur qui va pouvoir réinjecter pendant la nuit ce qui aura été stocké en journée. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on imagine devenir très important dans le logement de demain, avec des réglementations thermiques de plus en plus exigeantes et finalement tout un tas de solutions qui vont se retrouver gentiment aux oubliettes, ce qui n'est pas plus mal,
puisque la solution Lancet permet d'intégrer du renouvelable, mais à très court terme, son grand avantage, c'est qu'elle divise par deux la facture de chauffage par rapport au convecteur traditionnel, le fameux grille-pain. Et donc, on a un retour sur investissement très rapide, même si le radiateur coûte un petit peu plus cher. Oui, parce qu'il y a de la techno dedans. Il y a de la techno, il y a de l'intelligence artificielle. Il coûte combien et en combien d'années on l'amortit ? Quel est le surcoût ? Alors, en B2B et en vente en direct. Donc, évidemment, pour du consumer, on serait sur une offre un peu différente. Mais il démarre très bas en termes de coût, puisqu'il démarre de l'ordre de 500 euros pour la version d'entrée de gamme. Et on va jusqu'à 1100 euros pour la version la plus puissante, la plus, avec la plus grosse batterie. Un radiateur grille-pain, on va dire aujourd'hui, ça coûte 100 euros. On est plutôt 100-200 euros. Ouais. Maintenant, entendons-nous, on ne parle vraiment pas du tout du même produit. Ouais. C'est vraiment mettre la Logan, qui est sans doute une très bonne voiture, à côté plutôt de la Rolls-Royce, avec évidemment un niveau de performance qui garantit ce fameux retour sur investissement. Donc, et c'est vraiment notre proposition. En combien d'années on peut l'amortir, Raphaël ? 4 à 5 ans dans les cas les plus favorables, et on sera plutôt à 8-10 ans dans les cas les moins favorables. C'est-à-dire, plus on remplace quelque chose d'ancien et de mauvais, le plus c'est rapide. Ouais, moins on mettra de temps pour l'amortir. Exactement. Maintenant, d'accord, si on remplace de l'intelligent par du lancé, évidemment, c'est un peu plus long. Maintenant, la différence de prix, évidemment, sera aussi beaucoup plus faible. Mais la solution, l'intelligence, elle est dans chaque radiateur. Donc, il faut un radiateur par pièce. Il y a un radiateur par pièce et c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que le radiateur pré-traite déjà une partie de la donnée connectée par ses différents capteurs de présence en particulier, pour détecter l'utilisateur et différents autres capteurs. Ensuite, l'info est envoyée sur des serveurs où là, on fait tourner ce qu'on appelle du machine learning. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais. C'est une des catégories d'intelligence artificielle. D'accord. Et on utilise ce machine learning pour identifier en fait quelles sont vos habitudes de consommation de façon extrêmement précise. Ah oui, d'accord. Et ça permet au radiateur de se couper le plus souvent possible sans que vous vous en rendiez compte, sans impacter votre confort. Et ça, évidemment, c'est l'économie d'énergie. Il étudie, il n'y a pas de capteur de présence, cette chose comme ça. Il y a un capteur de présence dans chaque radiateur. Il y a un capteur de température, de CO2, de consommation d'énergie. Donc, on a différentes fonctions de monitoring. Raphaël, une question malgré tout. Est-ce que vous ne risquez pas d'être... parce que c'est intéressant, mais moi, ce que j'aimerais, ce serait avoir une batterie qui stocke de l'énergie pour alimenter aussi d'autres équipements, pas seulement les radiateurs. Ah oui, tu pourrais brancher, par exemple, ton téléphone pour le recharger. Mon téléphone Alors, on y travaille. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible en 2018, mais c'est disponible en 2019. Vraisemblablement, ça sera... notre prochaine innovation, je ne sais pas si on recevra encore un Best of Innovation, mais on vous le souhaite. On espère. En tout cas, l'an prochain, on présentera à Las Vegas la version dite bidirectionnelle, c'est-à-dire qui peut réinjecter dans le logement et là alimenter tous les devices, et potentiellement protéger le logement. Lorsqu'on a un blackout, une coupure d'électricité, il y en a eu il n'y a pas longtemps avec la tempête. Ouais. Et donc on peut protéger le logement. C'est ça qui est génial aussi. Ça sert d'onduleur. Exactement ça. Ouais. C'est une réserve électrogène, c'est pas un groupe électrogène. Un groupe électrogène, c'est un onduleur avec qui n'émet pas de CO2, qui ne fait aucun bruit et qui est présent un petit peu partout dans le bâtiment. D'accord. C'est un peu plus le concept de comment ça s'appelle, de Powerball. Le Powerwall, exactement. Powerwall, voilà, le truc de c'est Elon le même Musk. Concept. Au final, c'est la même Nissan fonctionnalité. La différence, c'est qu'on est beaucoup moins cher puisqu'on a une architecture qui est partagée en fait dans les différents radiateurs. Enfin, c'est pas on les utilise mêmes batteries. De l'électronique de puissance. Vous, pour l'instant, c'est des petites batteries. Ce sont des batteries d'un kilowattheure. C'est-à-dire que c'est quand même déjà de la bonne batterie. Et si on prend 8 ou 10 radiateurs dans une maison, on arrive à 8 ou 10 kilowattheure, donc la capacité de stockage, qui est en fait équivalente à celle du Powerwall de Tesla. Par contre, pour un investissement qui est 40% moins cher, grâce encore une fois à cette architecture, on a 7 familles de brevets, pas mal de R&D réalisés. Super. Et on se réjouit vraiment du déploiement commercial. Bon, pour recharger ma Zoé, il faut des 40 radiateurs. 40 radiateurs. Moins la consommation des radiateurs. Moins la consommation des radiateurs. Oui, non, mais voilà. C'est déjà pas mal. Donc c'est rendez-vous l'année prochaine pour en savoir plus. Rendez-vous l'année prochaine avec grand, grand plaisir. Et encore bravo Raphaël. Vous êtes de quelle région ? Nous, on est basé à Grenoble. À Grenoble. En Isère, en Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, vous défendez fièrement votre région aussi. On défend aussi. Fièrement notre belle et région. Et oui, c'est ça qui est génial aussi. On aura l'occasion d'en reparler ici longuement, puisqu'on a encore 3 jours à passer ensemble. Il y a des startups françaises, mais de toutes les régions de France. C'est ça qui absolument est génial. Deuxième délégation cette année, une présence vraiment impressionnante dans les allées. Beaucoup de monde et pas du tout que des Français. Il y a vraiment j'en viens là. Beaucoup, beaucoup d'Américains qui sont tous très curieux de la force de la délégation française. Eh bien, c'est cool. Ouais, c'est super. Cool. On en parlera sans doute demain avec Mounir Majoubi.
Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. On vous laisse repartir avec votre magnifique trophée. Et avec Jérôme, dans un instant, on va terminer ce premier live depuis le CES de Las Vegas, ici même sur le stand de La Poste, avec un vélo connecté. A tout de suite. Hop là, et regardez ce qui va arriver là. C'est un vélo connecté, Jérôme. Et attention. Mais il est beau. Il est magnifique. Il est devant nous. Et il s'appelle, tu sais quoi ? Non, il s'appelle le vélo. Ah ouais, c'est pas mal comme nom. C'est pas mal, hein ? C'est bien. Au moins comme ça, on pourra pas oublier. Ouais, c'est, nous qui oublions plus en plus de choses. Voilà, c'est ça. Philippe Nielic, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes venu avec ce vélo connecté que vous allez nous présenter. Alors, c'est un prototype, Jérôme. Tu pourras pas partir tout de suite avec pour te balader dans les allées du salon. Ah zut. Mais de toute façon, on n'a pas le droit. C'est qu'ici, attention, on est aux États-Unis, ça rigole pas. Hein. Ah non, franchement. La réglementation sur le CES, pas de drone, pas de machin qui roule, pas de truc qui glisse. Tout est interdit. Tout est interdit. Tout est interdit, comme ça, c'est plus facile. Et ce vélo, vous allez nous le présenter, Philippe, c'est un concentré de technologie. C'est déjà un vélo électrique. Oui, parfaitement. C'est un vélo électrique. Et en plus d'être électrique, donc c'est un vélo connecté. Waouh. Donc, on a essayé de repenser un petit peu le vélo. D'essayer de voir comment pourrait être le vélo de demain finalement, et on a essayé de repenser autour des usages. Donc ce vélo, sa vocation première d'un vélo finalement, c'est de connecter à la fois les gens entre eux et à la fois les lieux entre eux. Et donc on s'est dit, bah, tiens, comment on pourrait faire en sorte d'inventer un vélo qui finalement nous connecterait encore plus avec notre environnement. Et on voit qu'il a un petit écran. Voilà, sur le il a un petit écran. Je ne sais pas si Pierre peut nous faire un petit, zoom sur l'écran. Le petit écran, c'est effectivement l'équivalent du cerveau du vélo. Et donc c'est un petit écran interactif avec une ergonomie bien bien spécifique, une ergonomie au guidon. Donc on a à la fois deux boutons de validation, etc. Et en même temps comme une petite télécommande qui va nous permettre de piloter effectivement l'écran de notre vélo. Oui. Et donc d'accéder à un certain nombre de services. Alors quelles sont les fonctions dont on peut bénéficier avec ce côté connectivité? Alors à la fois il y a des fonctionnalistes classiques finalement d'un vélo qui est tout ce marche qui est avant, marche arrière. Voilà. Plutôt marche avant d'ailleurs. Oui. Mais même marche arrière, parce qu'en cas de vol, on appuie sur un bouton, ça met la marche arrière et la personne quand elle pédalera en avant, ça pédalera en arrière. D'accord. Donc la marche arrière est effectivement comprise dans la fonctionnalité du vélo. Mais ça va permettre effectivement toutes les choses que l'on peut imaginer en mobilité. Donc, ça a l'air hyper fluide et c'est joli. Hein. L'interface a l'air très sympa. Ça a l'air cool. Voilà. Mais alors ça se connecte, Philippe, pour qu'on comprenne bien, ça se connecte au smartphone. Ça se connecte au smartphone de l'utilisateur. Donc déjà, on va complètement réduire les problématiques de risque finalement quand on fait du vélo, parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir aucun relais de son écran, de son smartphone sur son vélo... Oui, on a tendance à le sortir en pédalant et exactement, c'est une catastrophe, ça, on est d'accord. Donc navigation GPS ? Navigation GPS complètement adaptée. D'accord. Et après, on a un certain plein de services autour de ça. Par exemple, on a une application qui s'appelle Yoda. Ouais. Et où le vélo est complètement connecté avec son environnement et le matin il peut nous diriger par rapport aux endroits qui sont le moins pollués dans les villes. Ah d'accord, super. D'accord. Okay. Il peut aussi nous conseiller, si on est le premier de l'an, il va le repérer, et s'il est 3h du matin, d'appeler plutôt un taxi plutôt que d'utiliser le vélo. Enfin, il y a tout un tas de systèmes intelligents. Et puis tout reste à inventer. Tout reste à inventer. C'est-à-dire que vous mettez en place le dispositif, oui, mais après c'est les créatifs. Avec du soft qui vont pouvoir rendre peut-être tout le monde, voilà, parce que c'est ça. Parce que c'est un peu à ce qu'a été l'iPhone pour la téléphonie mobile. On a un peu imaginé le vélo de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est une plateforme de service ouverte, connectée, où n'importe qui, même des professionnels, d'accord, peuvent imaginer des applications. On est sur le stand de La Poste, c'est le vélo du facteur du futur ? Pas aujourd'hui, non, pas pour le moment. C'est plutôt le vélo pour des gens. C'est un vélo urbain. On a essayé de le penser urbain. On s'est dit que il va y avoir une raréfaction des voitures dans les centres-villes et que demain on va avoir des problématiques en mobilité qui sont tout autres. Aussi des problématiques de rechargement finalement de batterie. Qu'est-ce que j'ai en main ? Alors ça c'est le cœur du vélo. Donc c'est la télécommande du vélo. C'est une des grosses innovations aussi du vélo. C'est une clé. C'est à la fois la clé du vélo et c'est à la fois une batterie. Alors c'est gros pour une clé, c'est petit pour une batterie. Voilà, exactement. Donc c'est gros pour une clé. On a quelle autonomie avec ça ? Alors il y a deux batteries. En fait, il y a deux batteries sur ce vélo. Il y en a une première que l'on voit absolument pas, qui est dissimulée dans le cadre.
D'accord. Et qui va permettre à peu près 4 heures d'autonomie, 4 heures de vélo. Il y a une seconde qui va permettre 30 minutes d'autonomie et qui correspond à la moyenne d'un trajet quotidien. Au bureau, je n'ai pas besoin de me travailler non, avec tout le bloc batterie. Non, tu recharges ton truc et tu as 30 minutes d'autonomie. Mais bravo. Il y a un port USB ici. Donc vous le... un port USB. Et on recharge. Sur son ordi. Alors, si quelqu'un veut voler ce vélo, parce que franchement, moi, j'ai envie de le voler là, même si c'est pas mon style. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de le voler. Donc déjà, quand on commence à bouger le vélo, vous allez recevoir une notification sur votre application qui dit quelqu'un est en train de bouger votre vélo. Ouais. Donc vous envoyez. Bon, ça, c'est pas ça qui va le dissuader. Hein. Déjà l'écran va dire attention, vélo, vous êtes en train de le voler. On a repéré que vous êtes en train de le voler. Ensuite, il y a plein de systèmes de sécurité. À la fois, il est traqué par GPS. Donc il a une puce GPS et une puce GSM à l'intérieur. Voilà. Qui est complètement indépendante du smartphone. C'est-à-dire que si quelqu'un le vole, je vais pouvoir traquer en fait le voleur et le vélo. Complètement, on va pouvoir le traquer. En même temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand la personne va essayer de pédaler en avant, le vélo va rétro-pédaler en arrière. Donc il va être impossible à utiliser. Oui, c'est ça. Tu vas avoir du mal à le voler. Et en même temps, comme c'est une plateforme de service complètement ouverte et que chaque vélo est unique, un identifiant unique, émet un code Bluetooth unique, etc., etc., on peut imaginer n'importe quel système finalement de localisation du vélo et finalement on va pouvoir même mettre en avant la communauté des gens qui ont ce vélo-là pour essayer de le retrouver. Génial. Mais alors, c'est bon, séduisant. Hein. Ah, c'est très très sympa. Franchement, on en est où du développement de ce vélo? C'est juste un concept pour l'instant ou il va vraiment sortir un jour? Alors c'est le prototype sur lequel on a commencé à travailler au mois de septembre. Et maintenant, l'idée, c'est effectivement d'industrialiser courant 2018 ce vélo-là pour qu'il soit en vente en fin d'année. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, au CES 2019, ce vélo pourrait être commercialisé. Oui. Waouh. Wow, à quel prix une idée? Alors, c'est encore des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, je ne voudrais pas dire des bêtises aujourd'hui. Mais abordable ça serait quand même un vélo haut de gamme? Non, bien sûr. Il serait dans les prix actuels des vélos électriques ou forcément il y aura un surcoût? Dans les prix actuels du vélo électrique, c'est ce qu'on essaie de faire. Super. Hein. Le vélo, ça s'appelle. Le vélo. Voilà. Franchement, alors, je trouve ça pourquoi, super. Pourquoi aussi le vélo? C'est parce qu'on a travaillé sur 100% du vélo, donc même sur son design, et on a vraiment essayé de faire un vélo français. Le design est définitif? Oui. Il est très sympa. Voilà. Ouais, on a essayé de faire un vélo. On a c'est un petit vélo. C'est ça qui est cool. Voilà. C'est un vélo urbain, quoi. Complètement. En fait. Ouais. C'est cool. Donc, c'est pas un vélo hollandais. Il a un look très moderne, très high-tech, en fait. Exactement. Allez, on va vous en prendre Philippe. Deux. Ça marche. Voilà, c'est parti. On vous en précommande deux. Super. On vous laisse repartir à vélo. Faites attention à les escaliers. Oui, on va faire très attention. Ce soit une bonne idée. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Au revoir. L'une des innovations présentées ici sur le stand de La Poste. C'est dingue parce que La Poste fait plein de choses. On verra demain, on parlera entre autres du carnet de santé numérique. Ça, c'est une grosse révolution qui risque de changer notre quotidien, qui est lancée par La Poste et donc entre autres aussi. En même temps, vélo, La Poste, facteur, postier, on sent que c'est la même famille. Hein, et bien sûr. Et bien voilà, on a terminé ce premier live depuis le CES de Las Vegas. Regardez la vue qu'on a. On est surélevé ici sur la mezzanine du stand de La Poste avec... Vous pouvez les voir actuellement, tous les stands qu'il y a tout autour ici au Sands. Pierre peut aller de l'autre côté aussi si tu veux, hein, pour voir là-bas ce que ça donne. C'est quand même assez impressionnant. Allez, il y a énormément de monde, énormément de stands. Penchant, hein, là, on vous fait vivre le CES de Las Vegas, les amis. Hein. Vous y êtes. Ne passe pas par-dessus la balustrade, Pierre. Et je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez un petit peu le côté off de tout ça. Regardez, c'est comme ça, le CES. Voilà, enfin, c'est une partie seulement bien du sûr. CES. Hein, bien oui, on est au Sands, là, hein, au Venetian. En dessous de l'hôtel Venetian, au Convention Center, il y a évidemment le gros Convention Center qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Exactement, qu'on vous fera découvrir prochainement. Voilà, fin de ce premier live, qui n'est pas le dernier, donc on l'a dit. Merci beaucoup à Pierre Thiolin et à Jean-David Duarte qui font un boulot extraordinaire ici à Las Vegas. Voilà, et merci aussi à vous de nous suivre. On vous donne bien sûr rendez-vous demain dès 20h sur 01net TV pour... notre deuxième épisode avec encore plein d'innovations, toutes les nouveautés qui nous ont tapé dans l'œil, on vous les fera découvrir. Salut François, salut à tous, bonne soirée. Salut à tous.